Merci. Au revoir. Madame Fletcher. Hein? Mais alors, voilà, je m'appelle Bradford Lockwood. Madame Fletcher, permettez-moi de vous présenter toutes mes condoléances. Je connaissais bien votre oncle Cyrus. Il me parlait souvent de vous. C'est très aimable à vous, monsieur Lockwood. Nous étions proches quand j'étais jeune. Il y a longtemps de cela, hélas. Et puis on s'était perdu de vue ces dernières années. J'ai trouvé qu'il était normal que quelqu'un de la famille assiste à la cérémonie. Vous étiez son ami? Oui, et aussi son avoué. J'ai rédigé son testament. Ah, j'ignorais qu'il avait des biens à léguer. En réalité, on ne peut pas appeler ça des biens. Mais alors, il ne vous a rien dit? Que devait-il me dire? Vous êtes sa seule héritière, Madame Fletcher. Vraiment? Mais bien sûr, Cyrus n'a pas laissé grand-chose, rien que quelques actions de la Jack Drow Corporation. Tiens donc, mon oncle investissait dans les actions. J'avais toujours cru qu'il faisait plutôt des investissements dans le poker. Oui, eh bien, il s'avère que cette société n'a pas versé une seule fois de dividendes depuis des années. Ses actions ne sont pas cotées en bourse, mais je suis sûr qu'elles seront plus que suffisantes pour couvrir les frais de l'enterrement. Auriez-vous l'amabilité de me signer cette procuration, hein? Et ainsi, je pourrai liquider ces actions pour vous et ensuite, je vous enverrai un chèque, un cabot de cove. Ah, excusez-moi, monsieur Lockwood, mais c'est quoi, au juste, la Jack Drow Corporation? C'est un holding, sans plus. Et que détient ce groupe de sociétés? Son seul actif, c'est les Léopards. Oui, c'est une équipe de football. Ah, maintenant, je me rappelle. Je crois avoir entendu mon oncle faire allusion à je ne sais quelle équipe, mais il y a trop longtemps. Écoutez, je vous prie de m'excuser de vous ennuyer dans un pareil instant, mais j'aurai besoin de votre signature sur cette procuration avant que vous ne retourniez à Cabot Cove. Oh, je ne signe jamais quoi que ce soit avant de l'avoir lu attentivement. Eh bien, je me ferai un devoir de m'occuper de cette paperasserie pour vous, Madame Fletcher. Il va de soi que ce serait à titre gracieux. Je vous remercie, je suis certaine que vous le feriez. Mais rien ne presse. J'ai décidé de rester ici quelques jours. Vous restez? Ah bon, alors dans ce cas, peut-être que je peux vous raccompagner à votre hôtel. Ah non, je vous remercie, j'ai un taxi qui m'attend. Une équipe de football. Ça alors, voilà qui me passionne au plus haut point, Monsieur Lockwood. Je crois que je vais aller jeter un coup d'œil. Thank you.
Ça va, vous avez rien? Ah oui, pour l'instant ça va, mais ce soir je risque de rêver que je suis avalée par un énorme chapeau comme celui-là. Oh, je suis vraiment désolé. Non, non, en fait, c'est moi la fautive. Je n'affecte pas à rester au milieu de cette piste à bailler aux corneilles. Je suis Jessica Fletcher. Enchantée, Jack Farrell. Et voici ma fille, Jill. Eh bien, Jill, je trouve que tu es un peu jeune pour te promener dans ce grand chapeau. Casque et non chapeau, elle lit très bien sur les lèvres. Ah, oh, que je suis bête. Un casque, bien sûr, et toi, tu sais conduire. Tu es plus doué que moi, je n'ai jamais appris. Tu es en avance. Tu peux être fier de toi. Elle veut dire que vous êtes très gentille. Ah, eh bien, toi aussi, tu es très gentille. Voici Cathy, ma femme, Jessica Fletcher. Bonjour, Cathy. Enchantée de vous connaître. J'ai vu que vous étiez déjà des amis. Oui, toi et moi, on s'est compris tout de suite. Allez, viens, on rentre à la maison. Jill, pourrais-tu m'apprendre des mots du langage par signe au cas où j'attraperais une laryngite? Alors, où sont les procurations? Eh ben, pendant les funérailles, c'était un peu délicat. Mais je vous promets que dès demain matin, l'affaire sera définitivement réglée. Eh bien, ça vaudrait mieux, parce qu'autrement, la coquette provision qu'on doit vous verser demain après-midi restera dans notre caisse. Et vous, Patillo, vous êtes censé être l'entraîneur de cette bande de minables. Bon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire pour que l'attaque soit efficace? Ah, je vous en prie, Fred, 5 de mes meilleurs joueurs ont été blessés. Ah, ne me parlez pas de blessures. Je paye ces polichinelles pour jouer et non pour s'en reposer. Dimanche, on sera prêt pour jouer. Vous pouvez y compter. Je le souhaite, parce que je n'irai pas par quatre chemins. Si vous perdez encore cette fois-ci, je ne vous ferai pas de cadeau, vous serez viré. Le moral de l'équipe n'est pas très bon. Écoutez, Dillon, occupez-vous seulement du matériel. Pour ce qui est du moral, je m'en occupe. Monsieur Kruger, en tant que capitaine, je me dois de parler au nom des gars. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi l'équipe quitterait la ville. Si je vous paie, c'est pour que vous fassiez en sorte que l'équipe adverse ne marque pas de points. Ce dont vous semblez bien incapable. L'endroit où cette équipe joue ne regarde que moi. Selon le président de la Ligue, l'équipe doit rester ici. Ce n'est pas cette chiffre molle de président de la Ligue qui va m'apprendre à moi comment je dois gérer mes affaires. Si jamais le service dit fourrer son nez, il va se retrouver avec des marques de crampons sur la figure. Excusez-moi, y a-t-il un monsieur Kruger ici? Madame, nous sommes en réunion. Oh, madame Fletcher. C'est Jessica Fletcher, la nièce de Cyrus. Oh, je suis désolé, mais mille excuses, madame Fletcher. Je suis Fred Bonjour, Kruger. Bonjour, monsieur. Enchanté de vous connaître. Je crois que vous connaissez déjà monsieur oui, Lockwood. Oui, en effet. Voici monsieur Patillo, notre entraîneur, monsieur. Robert Dillon et Frank Mason, le capitaine de l'équipe. Madame. Enchanté. Eh bien, messieurs, je crois qu'on peut mettre un terme à notre réunion. C'est très gentil à vous de me faire visiter, monsieur Kruger. Appelez-moi Fred. Ce soir, OM McCord organise une petite réception pour l'équipe. Si vous voulez venir, vous serez mon invité. Est-ce que je connais Monsieur McCord? Pas encore, non. Il est promoteur immobilier, c'est un grand supporter. Il aime bien le contact avec les joueurs. Ça sera très sympathique, ça vous donnera l'occasion de rencontrer certains des joueurs. J'accepte volontiers. Parfait. Écoutez, Madame Fletcher, je ne veux pas tergiverser avec vous. Je veux racheter toutes vos actions. Ah oui? Eh bien, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elles peuvent valoir. Elles se sont vendues à 6 dollars la dernière fois qu'elles ont été mises en vente. Vous en détenez 4 000, soit 24 000 dollars. Je vous en donne 30 000. Oh, quelle générosité! Voilà qui mérite réflexion. Oh, mon taxi m'attend. Merci, monsieur Kruger. Fred, vous me donnerez votre réponse ce soir. Je viendrai vous chercher à 19h30. D'accord, merci. À votre mari qu'il quitte l'équipe avant que tout se sache pour votre petite fille. Mais qui êtes-vous? Vous n'avez aucun droit de vous mêler de notre vie privée. Si vous n'arrêtez pas de téléphoner, je vais me mettre en rapport avec la police.
Jill meurt de faim, elle aimerait savoir quand le dîner sera prêt. Ouh. Il y en a pour un moment, chérie. T'as qu'à manger une pomme en attendant. Ton épaule n'est pas encore guérie. Tu ne devrais pas la porter. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, ma carrière de joueur est finie. Tu exagères. Il suffit de faire attention. Bien. Qui appelait? C'était un faux numéro. Encore un de ces appels anonymes, j'imagine. Non, Jack. Je sais que c'est Kruger qui est derrière tout ça. On n'en sait rien, on n'a aucune certitude. Moi, j'en ai la certitude. Et je vais y mettre fin. Jack, s'il te plaît, garde ton calme, ne fais pas de bêtises. Chambre 377, Madame Fletcher. Madame Fletcher. Oh, Monsieur Patillo, ou devrais-je dire Monsieur l'entraîneur? Puis-je vous parler? Bien sûr. Aurions-nous quelque chose à craindre de quelqu'un? Madame, je veux acheter vos actions. Je suis allé à la banque et ils vont m'accorder une seconde hypothèque. Ce sera dur, mais je vous en donne 60 000 $. Ah, oh, voilà qui est intéressant. Deux fois plus que ce qu'on vient de m'offrir. Dites-moi, Monsieur Patillo, pourquoi tout le monde est-il si impatient de me racheter mes actions? Bon, c'est pas un secret, je peux vous le dire. Kruger a 48% des actions. Un groupe concurrent possède aussi 48%. Votre oncle possédait les 4 autres %. Et il n'était pas décidé à vendre. Exact. À part que c'est Lockwood qui votait par procuration pour votre oncle et qu'il faisait pencher la balance pour Kruger. C'est une sacrée bataille. Non. C'est la guerre, Madame Fletcher. Voyez-vous, Kruger veut vendre l'équipe à une ville plus importante. Et vous, vous voudriez que l'équipe reste ici? J'aime cette ville. Pour moi, ça compte. Je veux que les léopards restent ici. En fait, on a perdu de l'argent l'année dernière, mais si j'obtenais la majorité des parts, je serais disposé à mettre beaucoup d'argent pour ce club. On pourrait aller très loin. Oui, par exemple, dans une grande ville. Je vous en donne 40 000. On m'a déjà fait une offre beaucoup plus intéressante. D'accord, je comprends, c'est l'offre et la demande. 150 000, c'est mon dernier mot. Monsieur Kruger, mon oncle Cyrus a préféré me léguer ses actions plutôt que de vous les vendre du temps de son vivant. J'ai l'intention de savoir pour quelle raison il agit ainsi. La raison? Écoutez, ces dernières années, votre oncle n'avait plus toute sa tête. Il avait l'esprit un peu dérangé. De plus, il n'avait aucune estime pour moi. Je regrette, Monsieur Kruger. Je n'ai pris aucune décision pour l'instant. J'espère que vous me comprenez. J'espère que c'est vous qui comprenez, Madame Fletcher. Le football est un jeu dangereux et parfois il arrive que des gens reçoivent des coups mortels. Maintenant, si nous allions à cette soirée... Oh, ouais. Jessica Fletcher, Webb McCorn, mon associé. C'est lui qui collectionne les léopards. Oh, et bien, j'espère que ce n'est pas l'espèce sauvage. Non, bien qu'il y en ait certains qui mériteraient d'être en cage. Madame Fletcher, je suis heureux que vous ayez pu venir. Merci infiniment. Bonsoir, monsieur. Oh, Mansa. Bonsoir, Madame Fletcher. Je prends quelques photos qui, j'espère, seront nettes avant que tout le monde soit flou. Je vous prie de m'excuser. Vous partez? Oui, je rentre chez moi. J'ai quelques coups de fil à passer. Ça m'étonnerait que Talmadge reste longtemps. Les beuveries le rendent nerveux. C'est le président de la Ligue. Oh, rendez-moi un service. Mettez-lui un calmant dans un verre. Il va revenir. Il habite tout à côté. Puis-je vous offrir quelque chose? C'est la première fois que j'assiste à une soirée de ce genre. Ah, le plus important dans ces soirées, c'est de faire attention à ce qu'aucun de ces gaillards ne vous marche sur les pieds. Oh. Baxter!
Kroger? Où est Kroger? Ah oui, il est rentré chez lui. Il va revenir, buvez un verre en attendant. Excusez-moi. Kroger, je veux vous parler immédiatement. Vous savez bien de quoi il s'agit. Je veux régler cette affaire ce soir. D'accord, ça me convient. J'y serai à 9h précise. Calme-toi, Jack. Ce soir, c'est la fête. Profites-en. Je suis Harry Talmadge, président de la Ligue. Ravi de vous connaître. Alors, vous faites partie des actionnaires, maintenant? J'ai bien peur que si vous envisagez de m'acheter mes actions, vous deviez faire la guerre. Mes fonctions m'interdisent d'en être propriétaire, mais sachez que je n'ai aucunement l'intention de laisser Kruger emmener cette équipe ailleurs. Pourtant, j'ai eu la nette impression qu'il avait déjà pris une décision au sujet de l'équipe. J'en ai pris une aussi. Je vais me battre contre lui jusqu'à la Cour suprême si besoin est. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Madame Fletcher, nous devrions avoir une petite discussion un moment ou un autre. Excusez-moi, Monsieur Baxter, est-ce que vous auriez vu Monsieur Farrell? Oh, il est parti, madame. Il n'y a pas très longtemps. Oh. Mason, puis-je me permettre? Mais je vous en prie. Vous vous amusez? Oh oui, je m'amuse beaucoup. C'est une soirée très réussie. Oh, ah. Ne bougeons plus. Ouais, c'est vraiment une excellente soirée. Yeah. Où est passé Kruger? Il rate une superbe occasion de s'amuser. Oh! Je vais aller chercher chez lui. Attendez, je vous accompagne. Madame Fletcher, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Faites donc, monsieur McCord. Oh, vous partez, monsieur Dillon? Oh, mais... j'ai du travail pour demain. Oh, c'est malheureux que vous ne puissiez pas rester. C'est ça, Barney. Quelqu'un a réglé son compte à Fred Kruger. Noyé. À mon avis, ça s'est passé dans le courant de la soirée. Non, j'ai encore aucun suspect. Ouais, je sais que ça a changé pas mal de choses pour les léopards. Quoi qu'il en soit, je parie à 5 contre 1. Bon, où il est, le gardien? À quelle heure est arrivé Kruger hier soir? Je l'ai pas vu arriver. Il y a une entrée privée derrière le bâtiment, il avait la clé, moi je surveille devant. Vous avez entendu quelque chose, des bruits de lutte? J'ai entendu Jack Farrell crier. Jack? Il était ici? Ça m'ennuie de vous dire ça, inspecteur, mais Jack est venu hier soir. Il était furieux, fulminé, littéralement.
Il appelait Kruger. Et quelle heure était-il? À peu près 9h, je l'ai marqué sur le registre. Quelques minutes plus tard, il est repassé devant moi à toute allure. On aurait dit qu'il avait vu le diable en personne. Mais vous n'avez vu Kruger à aucun moment? Non, je ne viens jamais ici. Je suis censé ne pas quitter la réception. Bon, restez dans les environs. Entendu. Hé, inspecteur! Madame, vous n'avez pas entré ici. Oh, je pense en avoir le droit. Je suis Jessica Fletcher, l'une des actionnaires. Oh, inspecteur Clyde Patchett. Enchanté, madame, que puis-je faire pour vous? Je me demandais si vous aviez remarqué qu'il y avait quelque chose au fond du bassin. Tenez. Eh bien. Voilà. C'est une montre. Le verre est cassé. Elle est arrêtée à 9h04. Mais qu'est-ce que c'est que cette inscription gravée? Coupe inter-état 1973. Jack Farrell. Cet homme charmant qui a une petite fille si adorable. Mais c'est pas possible, voyons. Oui. Tout le monde l'adore, mais les faits sont là, madame. S'il vous plaît. Arrêtez-le pour homicide volontaire. Jack, pourquoi ne pas le reconnaître? Si vous vous êtes battu, peut-être qu'on pourra faire passer ça comme homicide involontaire. Clyde, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas tué Kruger. Madame Fletcher étant actionnaire, je n'ai pas vu d'objection à ce qu'elle vous parle. D'ailleurs, elle pense que vous êtes innocent. Merci, Madame Fletcher. Que s'est-il passé après que vous ayez quitté la réception? Je me suis rendu chez Kruger. J'ai frappé, il n'y avait personne. Il m'avait laissé un message dactylographié sur la porte disant de le retrouver au stade. Un message dactylographié? Oui, on l'a retrouvé sur les marches devant la porte. J'ai pensé que c'était une nouvelle dérobade, mais j'étais décidé à m'expliquer avec lui une fois pour toutes. Je suis allé au stade. Vers 9h? Oui. Il n'était pas là. Je l'ai appelé plusieurs fois, sans aucune réponse. Je suis reparti, je suis rentré à la maison et je me suis saoulé. Alors comment votre montre a atterri dans le bain à remous? J'en ai aucune idée. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans mon casier. Jack, sur quoi exactement alliez-vous vous expliquer avec Kruger? Mais ça, tout le monde est au courant. Jack s'est abîmé l'épaule et il ne peut plus jouer. Mais il a un contrat de 4 ans irrévocable. Kruger a essayé de résilier son contrat. C'est bien ça, Jack? Non. C'est une affaire personnelle. Mais heureusement qu'il n'était pas là. J'aurais pu le tuer. C'est vrai? Il a été assassiné par Jack Farrell. Et pour moi, qu'est-ce que ça change? Ça change que vous êtes peut-être une femme très riche. Fred est mort intestat. Comme c'est affreux. Je ne savais pas que Fred avait ça. Madame Kruger, ça veut dire sans laisser de testament. Maintenant, écoutez attentivement. Il n'y a seulement que 20 jours que vous êtes installé à Las Vegas. Le divorce n'est pas encore définitif. Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez sauter dans le premier avion. Et faire semblant d'être une veuve éplorée. Vous voulez dire que je vais avoir les actions de l'équipe de Fred? Je préparerai tous les papiers que vous aurez signés. Devenir une vedette de football, ça te dirait, chérie? Cathy! Madame Fletcher, Jack m'a dit que vous étiez allée le voir et que vous le croyez innocent. Et à votre avis? Eh bien, je connais Jack, il se met facilement en colère, mais il ne pourrait pas tuer quelqu'un. Il est tellement gentil. Malheureusement, ils ont un dossier accablant contre lui. Madame Fletcher, j'ai lu des articles sur vous, je sais que vous pouvez aider les gens. Enfin, disons plutôt qu'une fois ou deux, j'ai pu arranger les choses, que j'ai pu aider la police. Mais je ne vois pas trop ce que je pourrais faire pour Jack. Toutes ces histoires de football, je dois avouer que ça me dépasse. Je vous en prie, aidez-le, Madame Fletcher. Ce serait catastrophique pour Jill si Jack allait en prison. Surtout en étant innocent. Oui, bien entendu, ce serait très dur pour votre petite fille. Je m'en rends compte. Allez!
du pensionnat tapé plus fort que ça dans les batailles de Polochon, c'est mou! Je sais bien qu'avec ce qui est arrivé, on est tous perturbés. Mais remuez-vous, dimanche, on a un match important. Allez, en position. Prêt? Go! Bonjour, madame Thatcher! Oh, voilà. Arrêtez, arrêtez de vous battre, bande d'imbéciles! Oh mon Dieu, je crois que tout ça est arrivé par ma faute. Madame Fletcher, vous venez d'envoyer le capitaine de l'équipe sur le banc des blessés. Ah bon, il n'est pas mort alors? Non, pas tout à fait. C'est moi que vous voulez voir? Est-ce que vous êtes décidé à me vendre vos actions? Ah non, je n'ai pris encore aucune décision, mais j'aurais bien aimé vous poser une question. À ce qu'il paraît, Jack Farrell avait un contrat irrévocable. J'aimerais savoir ce que le mot irrévocable signifie. Et ça veut dire que bien que Jack ne puisse pas jouer, il est toujours payé. Alors tout ce qu'il a à faire, c'est de rester dans l'équipe et de se montrer. Ah donc, il y a rupture de contrat. Et oui, vous voyez, si jamais il en prenait pour 20 ans pour meurtre, le club pourrait se libérer de ses obligations. Je me doutais que ça devait être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez, bande de lourdeaux? Amenez-vous! Et maintenant, vous allez arrêter de faire semblant et jouer pour de bon! Oh, monsieur Dillon, ne vous ai-je pas déjà vu à l'enterrement de mon oncle Cyrus? Oui, Cyrus et moi, ça faisait un bail qu'on se connaissait. Mais vous savez que vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Oh, rassurez-vous, monsieur Dillon. À présent, je fais partie des actionnaires. Bon, comme vous voudrez. Cyrus et moi, on a fait partie des Léopards dès qu'ils ont obtenu une licence. Ah. Il était responsable du matériel et j'étais joueur. Tenez, quand j'étais petite fille, je me rappelle que mon oncle Cyrus et moi, on jouait à se faire des passes. À l'époque, c'était dur et parfois, il n'y avait pas assez d'argent pour payer. Alors, ils nous donnaient des actions. Vous avez des actions? Non, plus maintenant. Il y a 10 ans, Cougar m'a tout racheté pour $500. Cyrus était bien trop entêté pour vendre. Dites-moi, monsieur Dillon, est-ce que vous connaissez la combinaison de tous ces casiers? Bien sûr, pourquoi? Eh bien, selon Jack Farrell, sa montre lui aurait été dérobée dans son casier. En 20 ans, personne ici ne m'a jamais accusé d'être un voleur. Avec un crochet quelconque, n'importe quel imbécile ouvrirait la serrure. Oh, monsieur Mason, je suis heureuse que vous ne soyez pas blessé. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le tank. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Parce que vous n'avez pas l'air tout à fait dans votre assiette. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à voir une femme dans le vestiaire, enfin, dans les douches. Oh mon Dieu, qu'il est tard, comme le temps passe. Il faut que je cours à mon rendez-vous. Vous avez tort de parier contre moi. Je parie 5 contre 1 que vous allez le rater. Voyons, Webb, vous savez très bien que je ne parie jamais. Inspecteur Patcher. Excusez-moi, je suis désolée d'interrompre votre séance de tir. Vous voulez toujours disculper Jack Farrell? Oui, en tout cas, j'essaie. Inspecteur, est-ce que le médecin légiste a pu établir l'heure de la mort? Eh bien, selon lui, ce serait vers 21h. Fred avait un petit hématome sur le front. Peut-être qu'il y a eu lutte, mais sans aucun doute, la mort est due à la noyade. Ah oui, c'est bien ce que je craignais. Monsieur McCord a versé la caution pour que Jack soit libéré. Oh, c'est très gentil de votre part, monsieur McCord. Mais c'est un brave type et innocent jusqu'à preuve du contraire. Madame Fletcher, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous vous intéressez tant à Farrell? Disons qu'en tant qu'actionnaire, j'ai souci de la gestion de l'entreprise. Madame Fletcher est détective amateur, en quelque sorte. Non, j'essaie tout simplement d'aider un ami. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait un doute sur sa culpabilité? Eh bien, certainement qu'il n'était pas le seul à avoir un mobile. Si Clyde devait arrêter tous ceux qui se réjouissent de la mort de Kruger, il faudrait une autre prison. Mais imaginons que quelqu'un d'autre soit entré dans les locaux et les tué. En fait, personne n'a vu Jack Farrell le faire. Non, j'ai enquêté auprès du serrurier. Il n'a fait qu'une clé pour la porte de service. On l'a retrouvée dans la poche de Kruger. Peut-être qu'il existe un autre moyen d'entrer. Madame Fletcher, nous avons tous beaucoup d'amitié pour Jack, mais emporté comme il est, il faudra bien qu'on admette qu'il a assassiné Fred Kruger. Peut-être que vous pouvez l'admettre.
Moi, je m'y refuse. Baxter, auriez-vous l'amabilité de me raccompagner? Oui, Madame Fletcher. Merci. Webb, je crois que je mérite d'avoir une autre chance. Au fait, j'y pense, Président. Vous avez quitté la soirée d'assez bonne heure. Poule. Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un ? La porte s'est coincée. Je commençais à étouffer. Cette porte n'était pas coincée, Madame Fletcher. Quelqu'un a voulu vous régler votre compte. Soyez prudente. On peut se faire mal au football. Et pas forcément sur le terrain. Oh, je crois que c'est seulement quelqu'un qui essayait de me faire peur. Avec vous, ça semble pas facile. Ah, pour avoir peur, j'ai eu peur. Mais ça prouve au moins que je suis sur la bonne piste. Monsieur Dillon... Excusez-moi si je suis indiscrète, mais vos jambes ont l'air de vous faire souffrir. Est-ce que cela viendrait d'une vieille blessure de football? C'est comme ça que ça a commencé. Il y a des années, Kruger était entraîneur de l'équipe et il m'a fait jouer avant que je sois guéri. J'ai de la chance de pouvoir marcher. Et sans doute, vous n'aimiez pas beaucoup M. Kruger. Je ne pouvais pas l'encadrer, mais je ne l'ai pas tué. Jack Farrell a eu aussi sa carrière gâchée par une blessure. Ah, c'est bien triste. C'est vrai. Du coup, vos actions ont plus de valeur. J'ai peur de ne pas comprendre. C'était un excellent joueur. Il l'était. Mais c'est aussi lui qui est le mieux payé de l'équipe. Pour l'instant, c'est un poids mort. Mais s'il est condamné, ils n'auront plus à le payer. Vous vous entraînez pour faire partie de l'équipe? Oh, je fais seulement ma gymnastique quotidienne. Vous savez, je vous ai observé, vous n'êtes pas encore trop mal foutu pour une même mère. Oh, oh, pardon, non. Je voulais dire que vous étiez bien conservé. Non, sérieusement, ce que je veux dire, c'est... Je sais ce que vous voulez dire, monsieur le tank. Je vous remercie du compliment.
Avouez que c'est dommage pour Jack. Ouais, c'est vrai, j'ai du mal à le croire. J'ai cru comprendre que vous étiez amis. Quand on est en déplacement, on partage la même chambre. Et il n'avait pas le moral, c'est ton dernier. Il était découragé pour sa carrière? Oh non, il en parlait jamais. Mais je crois que c'est chez lui qu'il a des ennuis, à cause de la gosse. Ça devrait aller, je crois avoir fait assez d'autoconservation pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Jessica aime beaucoup les chevaux aussi. Oui, maintenant tu vas aller jouer. J'ai bien compris. Ah, quelle enfant charmante. Elle a beaucoup de chance d'avoir des parents comme vous. Maintenant que Kruger est mort, ce cauchemar va peut-être cesser. Cathy. Je suis désolée, mais c'est ce que je ressens. Écoutez, je sais que ça ne me regarde pas, mais entre vous et M. Kruger, n'y avait-il rien d'autre en dehors de ce contrat de football? Il y a une chose que vous avez le droit de savoir. Jill est une enfant adoptée. Nous avions follement envie d'avoir un enfant, alors quand l'occasion s'est présentée, on l'a saisie. Ça a été fait discrètement par l'intermédiaire d'un avoué. On a versé une grosse somme d'argent à sa vraie mère. Ça n'est pas autorisé, mais ça nous était égal. Oui, c'est vrai, mais nous étions pressés. Quoi qu'il en soit, Cathy a reçu des coups de fil anonymes. On vous menaçait de vous dénoncer à propos de l'enfant. Je n'en ai aucune preuve, mais je suis persuadé que Kruger avait tout découvert et qu'il se servait de ça pour me forcer à quitter l'équipe. Voilà pourquoi je suis allé le voir. Vous m'avez dit que c'était un avoué qui avait organisé cette adoption. Ne serait-ce pas, par hasard, Brad Lockwood? Si. Comment l'avez-vous su? Oh, Amos, merci d'avoir vérifié. J'avais tellement peur de ne pas avoir fermé la porte de derrière à clé. Ah oui, c'est vrai? Eh bien, ça m'est égal ce que raconte le journal de Jonathan. Non, Jack Farrell n'a pas tué M. Kruger. Oh, je devrais être de retour dès samedi. Peut-être dimanche, ça dépendra. Oh, excusez-moi, Amos, il faut que je vous quitte tout de suite. Je viens vous voir dès mon retour. Je me demandais où était passée cette boucle d'oreille. Voilà, j'arrive. Ah. Bonsoir, Madame Fletcher. J'espère que ma visite ne vous importune pas. Ah, c'est-à-dire que... J'ai essayé de téléphoner, mais la ligne était occupée. J'appelais dans le Maine. Entrez, je vous en prie. Pardonnez-moi si je viens à l'improviste, mais... Demain matin, je prends l'avion pour New York et je voulais vous parler. En tant que président, je dois connaître les actionnaires. Oui, pour savoir à qui vous avez affaire. Ah, les sports professionnels attirent parfois des mauvais éléments. Ah, c'est ce que j'ai remarqué. Madame Fletcher, j'ai entendu dire que vous pourriez être vendeuse de vos actions. C'est à croire que j'ai un écriteau dans le dos, monsieur Talmadge. Il y a un investisseur qui s'intéresse beaucoup à l'équipe et qui voudrait la garder ici. Il ne s'agirait pas de Webb McCord? Je ne suis pas sûr qu'il aimerait que je vous le dise. Admettons que vous ne l'ayez pas dit. J'imagine qu'après Fred Kruger, n'importe qui ferait l'affaire. Kruger était un menteur et un rustre. Il semblait prendre un malin plaisir à m'humilier publiquement. Mais maintenant, cette situation ne se reproduira plus jamais. Je ne l'ai pas tué, si c'est ce que vous voulez insinuer. Rappelez-vous que j'étais à la réception chez McCord. Il faut 45 minutes pour faire l'aller-retour entre chez lui et le stade. Personne à la réception ne pouvait tuer Kruger, à l'exception de Farrell. Parce que Farrell est parti de bonne heure. Mais autant que je me souvienne, vous aussi vous avez quitté la réception de bonne heure, monsieur Talmadge. Bon, maintenant, si vous voulez m'excuser, j'aimerais prendre mon bain. Alors, si vous voulez... Oh, bien sûr. C'est tout de même étonnant. Nous nous retrouvons avec une femme actionnaire... Puis une deuxième, en moins d'une semaine. Une deuxième? Madame Kruger, je présume qu'elle va hériter. J'ignorais qu'il y avait Madame Kruger. Je vous remercie de votre visite. De rien.
y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Il semblerait que votre sonnette ne marche pas. C'est tout mouillé. Mais bien sûr. Restez où vous êtes, ne faites pas un geste. Si vous tentez quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à tirer. Certainement que vous êtes Madame Krüger. Nous n'avons pas été présentés. Je suis Jessica Fletcher. Restez où vous êtes, ne bougez pas. Comment êtes-vous entrée ici? La porte était entrouverte. J'ai appelé, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Vous n'étiez pas en train de prendre un bain par hasard? Un bain? Je suis arrivée de Las Vegas il y a à peine 2 minutes. Écoutez, j'ignore qui vous pouvez être, mais ça ne me convient pas du tout de vous trouver dans ma salle de bain. Je vais appeler la police. Excellente idée. J'allais justement l'appeler. Demandez l'inspecteur Patche. Oui, c'est mouillé, c'est vrai. Mais vous avez besoin d'un plombier, pas d'un policier. Est-ce que je pourrais vous demander de m'expliquer ce qui se passe ici? Inspecteur, ce n'est qu'une hypothèse, mais envisageons que Fred Krüger n'ait pas été noyé dans la salle d'entraînement, mais ici, dans sa propre baignoire. Fred aurait été noyé dans cette salle de bain? Le corps a été retrouvé dans le bain à remous. La réception n'avait lieu qu'à quelques minutes d'ici. N'importe qui aurait pu s'éclipser, venir jusqu'ici, frapper M. Krüger à la tête et le maintenir sous l'eau. Écoutez, moi j'étais à Las Vegas, je peux le prouver. Sa disparition serait passée inaperçue pendant ces quelques minutes. Il aurait pu revenir après la réception et transporter le corps. Je refuse de rester ici. Hey, où allez-vous? Fred aurait été assassiné ici? Ça me donne froid dans le dos. Je vais réserver une chambre dans un hôtel. C'est une hypothèse qui ne manque pas d'intérêt. Ça nous ouvre des horizons. Alors, qui a tué? Eh bien, voilà qui risque d'être fort difficile à découvrir. Écoutez, les gars. Voilà. Je serai très bref. Vous savez ce qui s'est passé cette semaine. Et ça ne doit pas entrer en ligne de compte une fois que vous serez sur le terrain. Tout le monde nous considère comme une bande de petits rigolos. C'est peut-être ce qu'on est. C'est à vous et à vous seul qu'appartient la décision. Il n'y a rien à ajouter. Mettre combien? Non, je sais pas ce que je donnerais pour jouer avec eux. Oh, j'ai bien peur que l'entraîneur manque de psychologie avec les joueurs. J'espère seulement qu'ils ne seront pas trop ridicules. Oh, bonne chance. Oh, ne vous inquiétez pas, Madame Fletcher, on va gagner ce match pour vous. Allez, allez. Thank you.
Bernard, tragiquement frappé, réussiront-ils malgré tout à gagner après une série de 4 défaites consécutives? Les paris semblent indiquer que non, et l'absence de Jack Farrell n'est pas faite pour remonter le moral de l'équipe. Et c'est le coup d'envoi. Très belle passe de Smith. Oui, Carter reçoit la balle et se dégage de son adversaire. C'est pour vous, monsieur Lacombe. Plus tard, je regarde le match. Il paraît que c'est très urgent. Ouais, j'espère que ça l'est. Aurait-il décidé de faire mentir les McCord. C'est McCord. Ici, c'est Sylvia de la teinturerie. Qui? La teinturerie. Le patron ne me laissera pas partir tant que je vous l'aurai pas dit. Me dire quoi? Il manque un bouton en cuivre au blazer que vous avez fait apporter. Quoi? Le patron a insisté pour que je vous prévienne qu'il manquait déjà quand il a été apporté. Comme ça, vous ne direz pas que c'est nous qui l'avons perdu. Oui, je comprends. Merci de m'avoir prévenu. Les joueurs s'empoignent. Il s'agit de Johnson et de Burt. L'arbitre tente de les séparer. Voilà qui est fait. C'est ça que vous cherchez? La personne de la teinturerie. J'ai parlé avec votre domestique. Et moyennant un encouragement, il m'a dit qu'il avait porté votre blazer à la teinturerie. Et là, on vous a dit qu'il manquait un bouton? Non, à vrai dire, celui-ci m'appartient, il vient de là. Vous n'avez jamais perdu de bouton. Cette histoire, c'est mon invention. Pour voir si je mordais à l'hameçon. Vous ne pouviez venir le chercher qu'à un seul endroit. Celui où vous avez tué, Monsieur Kruger. Je suis en admiration, Madame Fletcher. Oh, ne le soyez pas. Je vous avouerai que ce n'est pas une idée vraiment originale. Lorsque j'étais à Los Angeles, un bouton a effectivement trahi un assassin. J'ai pensé que ça pourrait encore marcher. Il semblerait que j'ai sous-estimé votre ténacité. Ah, il ne suffit pas de m'enfermer dans un bas de vapeur pour me faire renoncer. Je m'en souviendrai à l'avenir. Vous voulez toujours acheter mes actions? Je voulais mon équipe de football. Tout homme devrait avoir un passe-temps favori. Discrètement, j'avais réussi à racheter 48% des parts, mais Kruger ne voulait pas vendre. Il n'y avait qu'une solution, éliminer la concurrence. Et astucieusement, en faisant porter les soupçons sur Jack Farrell, vous vous débarrassiez de son contrat du même coup. Lockwood m'avait parlé des pressions que Kruger exerçait sur Jack à propos de la gosse. Je savais que ça finirait par une bagarre. J'avais déjà pris la montre de Jack. J'avais l'intention de tuer Kruger après la soirée. Mais j'ai dû changer mon plan quand il est reparti chez lui. Un footballeur doit savoir saisir la balle au bon. Ça me donnait un alibi encore plus solide. Kruger était déjà mort quand vous avez tapé le message et que vous l'avez laissé sur la porte pour Jack. Alors j'ai dû le taper 2 fois, le premier s'était mouillé. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Comment avez-vous deviné? Un peu par chance. Et par déduction aussi. J'ai compris qu'on ne pouvait pas noyer un homme comme Kruger sans se mouiller, même s'il avait été inconscient. Puis d'un seul coup, ça m'est revenu. Vous aviez changé de blazer. Je croyais que personne ne s'en était aperçu. Eh bien, c'est à cause des photos de M. Mason. Il les avait affichées dans le vestiaire sur le tableau. Quand je suis arrivée, vous portiez un blazer à simple boutonnage. Et plus tard dans la soirée, vous portiez un blazer à double boutonnage. Conclusion, le premier avait été mouillé. Je suppose que vous avez attendu que la soirée soit terminée pour déplacer le corps. Et dans sa poche, il y avait la clé de la porte de service. Nous avons fait pas mal de dégâts ici, j'ai eu un mal fou à nettoyer. Ah oui, la moquette était imprégnée d'eau. Aucun plan n'est parfait. On doit constamment improviser. Quelles sont vos intentions, me noyer aussi? Non, je crois qu'on vous retrouvera dans les cendres de cette maison quand elle aura brûlé. Bon, le temps passe vite et je ne voudrais pas rater la phase. Pas un geste, McCord! Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Il semblerait que vous ayez tout dit. Et bouclez-le. Vous êtes inculpé de meurtre.
Je crois que le prix de mes actions vient de dégringoler au plus bas. Madame Fletcher, quel besoin aviez-vous de discuter comme ça? On a raté la moitié du match et maintenant il est trop tard pour retourner au stade. Les Léopards n'avaient que 7 points contre 21. Et alors qu'il ne restait qu'une minute trente de jeu, ils marquent après une série de passes extraordinaires. Ensuite, c'est Mason qui marque un nouveau but. Ils ont gagné. Oh, ça fait vraiment merveilleux. Ouais. Qui voit la victoire spectaculaire de notre équipe, ouais, c'est les Léopards. Tout doux. Elle conduit aussi vite que toi. Bah évidemment, si elle devient la première femme à bon centre, il faudra bien qu'elle soit rapide. Nous voilà de retour. Merci, ça a été une promenade très agréable. Jack, j'ai cru comprendre que vous alliez vous lancer dans la gestion. Oui, j'ai décidé de m'associer avec Patillo et d'autres afin de racheter les actions de Madame Kruger. Bah, ça sera pas comme si je jouais, mais je resterai dans l'ambiance. Mais j'y pense, on sera associés en quelque sorte. Oh, j'ai bien peur qu'il n'en soit pas question. Je dois surtout me consacrer à écrire mes livres, à Cabot Cove. Vous savez, je crois que je ne comprendrai jamais rien à ces histoires de football. Vous n'allez pas vendre vos actions? Oh, non, 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 non. J'ai pris toutes mes dispositions pour que les actions soient mises au nom de Jill. Oh. Je ne sais pas quoi dire. Comment pouvons-nous vous remercier? Eh bien, ne perdons pas de temps à ça, j'ai mon avion à prendre. Maintenant, toi et ton père, vous êtes associés. Alors, de temps en temps, tu m'enverras un mot pour me dire comment ton papa se débrouille.